m'appelle Peppa Pig. C'est parti. D'abord, il faut choisir tes vêtements. Quelle couleur préfères-tu? Super! Maintenant, choisis l'animal que tu veux être. Très bien! De quelle couleur veux-tu être? Veux-tu porter des lunettes? Veux-tu porter un chapeau? Bien joué! Pour commencer à jouer, choisis oui. Pour faire des changements, choisis non. Bienvenue dans la ville de Peppa Pig. Tu vas bien t'amuser ici. On va bientôt rencontrer Peppa. Mais d'abord, essayons de marcher. Utilise le joystick pour te déplacer. Quelle jolie fleur! Approche-toi un peu d'elle. Maintenant, appuie sur une commande pour la toucher. N'oublie pas de l'utiliser quand elle apparaît à l'écran. Le papillon s'en va. Suis-le! Qu'est-ce que c'est? Une clôture barre la route. Ne t'en fais pas. Tu peux te servir de la même commande pour ouvrir le portail. Tu devras parfois déplacer des choses pour pouvoir avancer. N'oublie pas d'utiliser cette commande quand elle apparaît à l'écran. Bravo! Tu as appris comment te déplacer dans Peppa Pigville. Si tu continues d'avancer, tu rencontreras Peppa. N'oublie pas d'utiliser la commande à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Qui sait ce qui se produira? Ma chambre. Elle te plaît? J'ai plein de jouets dans le panier. Bonjour, vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Maman! Maman! On joue avec les jouets de mon coffre! Je crois que Georges aussi voudrait jouer. Pas possible! Georges! Je suis avec mon nouvel ami! Oh. Peppa? Je suis sûre que vous pouvez jouer tous les trois. Et si vous jouiez au loup? Comment on joue au loup? Il faut se courir après, et celui qui est touché devient le loup. D'accord! Tu es le loup! Bon, je vous laisse. Ne me change pas en grenouille. Ne me change pas en grenouille.
jouer. Ouh. Restez plantés là. Allons jouer. C'est nul de rester plantés là. Allons jouer. Oh. C'est très bien. Bravo. On va faire une délicieuse salade avec tous ces légumes. On y va? Ouh. Oh, tu peux rallumer pour que je puisse lire? Merci. C'est nul de rester planté là. Allons jouer. Maman Pig, tu as vu mes lunettes? Je ne les trouve nulle part. Non, je ne crois pas, Papa Pig. Peppa, et si vous alliez chercher les lunettes de Papa Pig? Elles doivent être quelque part dans la maison. D'accord, maman. On va les trouver. Papa, papa, on les a trouvés. On a trouvé tes lunettes. C'est vrai. Super, Peppa. Merci. Et merci à toi aussi. Tu es un vrai ami pour Peppa. Tu aimes Monsieur Patate? Peppa, oui. C'est nul de rester planté là. Allons jouer. On fait quoi maintenant? Allez voir mon papy et ma mamie. Leur maison est un peu plus loin. Continuons par là.
de Mamie et Papy. Voici la maison de ma mamie et de mon papy. Papy est toujours dans le jardin. Et ma mamie prend soin des poules. Voici la maison de Mamie et Papy Pig. Peppa s'amuse toujours beaucoup ici. Polly le perroquet imite tout. Et si tu essayais de sauter ou de faire un bruit? Squeak, 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 squeak. Bonjour, Madame Poule. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis contente de te voir, Peppa. Ah, tu es venue avec un ami. Bonjour. Tu n'aurais pas vu une poule? Si, mamie. Elle vient de partir. Oh non, ça ne va pas. Peppa, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver les poules manquantes? Elles ne doivent pas être loin. D'accord, mamie. On va les trouver. On dirait que les poules de mamie ont quitté le poulailler. Et si tu l'aidais en ramenant toutes ces poules? Bravo! Plus que deux poules. Merci. Je crois qu'il en manque encore une. C'était la dernière. Toutes les poules sont en sécurité maintenant, grâce à toi. Bah, papy, à quoi ça sert? Oh, c'est du compost. C'est une boue spéciale pour fertiliser les légumes. Attention, ça sent très fort. Quoi, fertiliser? Ça veut dire que ça les aide à grandir et à être encore meilleurs. Et si tu essayais d'en mettre sur cette parcelle? Oh, oh, oh. Bravo! Les plantes vont être grandes et fortes. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je plante des graines pour que de nouvelles plantes poussent. Tu veux bien m'aider? Oui! Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour commencer, choisis une plante dans le jardin et prends-en une graine. N'importe laquelle? Oui, Peppa. Celle que tu préfères. Je ne sais pas laquelle choisir. Je sais. Et si tu m'aidais à choisir? Aide Peppa et Papy à faire pousser une nouvelle plante.
Approche-toi d'une plante et prends sa graine. Tu préfères quoi? Les potirons, les fraises ou alors les mûres? Tu as la graine? Très bien. Reviens et plante-la ici. D'abord, fais un petit trou. Maintenant, mets-y la graine. Recouvre-la de terre et arrose-la. Fabuleux! Une nouvelle plante va pousser ici. Ça va prendre longtemps, papy? Oh oui! Les plantes poussent très lentement. N'oublie pas de revenir de temps en temps pour voir si elle a bien poussé. Bien joué! Tu as planté une nouvelle graine dans le jardin de papy. N'oublie pas de revenir de temps en temps pour voir la plante pousser. Donnera de l'énergie pour sauter et gazouiller. Ah, c'est très bon. La mangeoire est déjà pleine. Pas besoin de plus. Salut, Peppa! Salut, l'ami de Peppa! Coucou, papy! Peppa, on risque d'avoir faim en attendant que les légumes poussent. Tu veux manger quelque chose? Oh oui! S'il te plaît! Très bien! Et si on allait chercher des œufs du poulailler de Mamie Pig pour les apporter à la cuisine? D'accord. Papy Pig veut que tu apportes à la cuisine des œufs du poulailler pour que lui et Mamie Pig puissent cuisiner un repas. D'abord, va au poulailler. Par là. Salut les enfants. Coucou, Mamie. Vous êtes venus voir si les poules allaient bien? Non, non, Mamie. Papy nous a envoyés chercher des œufs pour faire un bon repas. Je vois. Vous pouvez vous servir. Regardez dans la petite maison. Merci, les poules. Ah, je vois que vous avez trouvé des œufs. Et si vous les apportiez à la cuisine? Je vous attendrai là-bas. Mamie et Papy Pig t'attendent dans la cuisine. Ne les fais pas attendre. Ah, vous voilà.
J'espère que vous avez faim. Oui. Tu as faim? On a des œufs durs délicieux pour vous deux. Asseyez-vous à la table. Ça sent bon. Bon appétit, tout le monde. C'est très bon. Ravi que ça te plaise, Peppa. Ah, c'est très bon. Désolée, Polly. Je ne crois pas que ce soit bon pour toi. C'est très bon. Ah, vous voilà. Ah, vous voilà. Peppa, nous vous emmenons au château aux quatre vents. Le château aux quatre vents a une très grande tour. Il y a une super vue. Tu verras. Hourra ! Dinosaures ! Non, Georges. Il n'y a pas de dinosaures là-bas. Dinosaures ! Mais tu peux prendre Monsieur Dinosaure avec toi. Très bien. Et si vous alliez nous attendre dans la voiture pendant qu'on se prépare? Oui, papa! On y va! Allons à la voiture! Papa va nous emmener au château aux quatre vents! Château aux quatre vents. Tu es arrivé au château aux quatre vents avec Peppa et sa famille. Waouh ! Je n'avais jamais vu un château aussi grand. Viens, allons à l'intérieur. La vue est magnifique d'en haut. Tu verras. Regarder dans un télescope rend tout plus petit. Et si tu prenais le temps de jeter un œil aux alentours? Tu la reconnais? C'est notre maison! Oh oui, papa! Je peux voir la fenêtre de ma chambre d'ici! On dirait la maison de mamie et papy! Et regarde!
Ils sont dehors! Tu crois qu'ils peuvent nous voir? Je ne pense pas, Peppa. On est très loin d'eux. Oh! Aujourd'hui serait une journée parfaite pour aller à la plage. Regarde! Regarde! Je peux voir Mademoiselle Rabbit dans sa montgolfière! Elle doit attendre d'avoir quelqu'un à amener à la Montagne Blanche. On a trouvé le musée! J'adore le musée! Dinosaures! Et la Montagne Blanche! La vue est magnifique! Mais on dirait qu'il fait très froid là-haut. La halte-garderie! Mais il n'y a personne! C'est pas l'heure de la halte-garderie! Patata Park! On peut y aller, maman, s'il te plaît? Bien sûr, mais pas maintenant! Aujourd'hui, on profite du château aux quatre vents. Maman, papa, est-ce qu'on pourra revenir au château aux quatre vents bientôt? Bien sûr, Peppa. Je suis contente que tu te sois bien amusée avec le télescope. Je savais que tu aimerais ça. Le château aux quatre vents est très amusant. En utilisant le télescope tout en haut, tu peux voir plein d'endroits. Même très loin. Maison de Peppa. Rentrez. C'est nul de rester planté là. Allons jouer. Maison de mamie et papy. Voici la maison de ma mamie et de mon papy. Papy est toujours dans le jardin. Et ma mamie prend soin des poules. Voici la maison de mamie et papy Pig. Peppa s'amuse toujours beaucoup ici. La plage. On y est. Mais, papy, mamie, où est passé tout le sable? Eh bien, c'est une plage de rochers. Donc, à la place du sable, il y a plein de cailloux. Oh, on voulait faire des châteaux de sable. Qu'est-ce qu'on va faire? T'en fais pas.
Il y a plein de choses rigolotes à faire sur une plage de rochers. Regarde autour de toi. Tu verras des points d'eau entre les rochers. C'est rigolo de regarder ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Quand la mer se retire, elle laisse toujours quelque chose de spécial dans les points d'eau. C'est vrai? Quel genre de choses on peut trouver? Et si vous alliez regarder tous les deux? Vous pourrez mettre dans le seau tout ce que vous pouvez trouver. Va voir dans les points d'eau entre les rochers et montre à Mamie et Papy Pig ce que tu trouveras. Suis-moi. Regarde, j'ai trouvé quelque chose qui brille. C'est une pièce. Peut-être qu'elle appartenait à un pirate. Waouh ! J'adore les pirates. Hé ! J'ai trouvé un crabe dans le point d'eau. Les crabes adorent se cacher dans les points d'eau. Faites attention à ne pas vous faire pincer les doigts. Tu savais que si tu mets le coquillage près de ton oreille, tu peux entendre la mer? C'est vrai? Waouh! Félicitations! Tu as tout trouvé dans les points d'eau. Et tu as appris plein de choses sur les plages de rochers. Jetons! Maman, papa, vous êtes là! Vous vous amusez bien avec Mamie et Papy Pig? Oui, maman! Très bien! Et si on allait chercher un endroit où s'asseoir sur la plage? Cet endroit a l'air parfait! Papa Pig, on devait aller nager tous les deux. Je sais ce qu'on peut faire. Maman, est-ce qu'on peut le recouvrir de sable? Ce serait super marrant. Ça serait rigolo, d'accord, mais faites attention à ne pas le réveiller. Papa Pig s'est endormi sur la plage et Peppa veut le recouvrir de sable. Et si tu prenais une pelle pour l'aider? Faut le recouvrir avant qu'il se réveille. Vite, vite! Il faut le recouvrir avant qu'il se réveille. Encore, encore! Je crois que ça suffit. Regarde, maman! Papa est recouvert de sable! Voyez-vous ça? Vous avez fait du bon travail tous les deux. Oh, quelle bonne sieste! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je comprends. Pardon de t'avoir réveillé, papa. Ce n'est pas grave. Je dois dire que c'est très confortable d'être enterré dans le sable. Faisons un château de sable. D'abord, mets le sable dans le seau.
son seau, puis sous les bleus. Tada! Et maintenant, tu peux le détruire. J'adore les châteaux de sable. Attends, on ne peut pas y aller comme ça. Oh, d'accord. Maison de mamie et papy. Voici la maison de mamie et papy Pig. Peppa s'amuse toujours beaucoup ici. Rentrez. Ah, vous voilà. Peppa, nous vous emmenons au château aux quatre vents. Le château aux quatre vents a une très grande tour. Il y a une super vue. Tu verras. Non, Georges. Il n'y a pas de dinosaure là-bas. Dinosaure! Mais tu peux prendre Monsieur Dinosaure avec toi. Dinosaure! Très bien. Et si vous alliez nous attendre dans la voiture pendant qu'on se prépare? Oui, papa! On y va! Allons à la voiture! Papa va nous emmener au château aux quatre vents. Bonjour, Monsieur Boule. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut la famille! Salut les enfants! Nous faisons des réparations sur la route. Qu'est-il arrivé à l'ancienne route? Des racines d'arbres ont créé quelques bosses. C'était dangereux de passer. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Rhinocéros et moi allons nous en occuper. Vous devez être très occupés. On ferait mieux de partir. Est-ce qu'on peut passer? Oh, oh, oh! Oui, vous pouvez passer sur le côté de la route. Faites attention! Oh, je vois! Merci. Au revoir, Monsieur Boule. Au revoir, Monsieur Rhinocéros. Merci d'avoir réparé la route. Thank you.
Château aux quatre vents. Tu es arrivé au château aux quatre vents avec Peppa et sa famille. Waouh ! Je n'avais jamais vu un château aussi grand. Viens, allons à l'intérieur. La vue est magnifique d'en haut. Tu verras. Ah, vous voilà. Allez voir mon papy et ma mamie. Leur maison est un peu plus loin. Continuons par là. La halte garderie. Te voilà à la halte garderie. Un endroit où tu peux apprendre et jouer avec Peppa et ses amis. On y va ? Bonjour tout le monde ! Voici mon nouvel ami. Bonjour. On y va? Les enfants, aujourd'hui est un jour spécial. Vous savez quel jour on est? C'est votre anniversaire? Non, ce n'est pas mon anniversaire, Dani. Quelqu'un d'autre peut-être? Toi? Bravo! C'est le jour de sport! Waouh! C'est quoi le jour de sport? Le jour de sport est un jour très important. Tout le monde doit faire du sport pour rester en forme. Allons sur la piste de course! Ouh! Très bien, les enfants! À mon départ, courez! 3, 2, 1... Allez, les enfants! Très bien, Peppa. Et ton ami est très rapide. Encore un effort, les enfants! Vous êtes presque à l'arrivée! Terminé! Oh, félicitations!
Vous avez tous fait du bon travail. Vous méritez tous un trophée aujourd'hui. Vous ne croyez pas, Peppa? Suzy? Pedro? Et toi aussi, bien sûr. Splendide! J'espère qu'aujourd'hui, vous avez tous appris l'importance du sport. Est-ce qu'on peut courir même quand c'est pas le jour de sport? Oh, bien sûr! Tu peux courir quand tu veux. C'est amusant de courir. On y va? 3, 2, 1. Super! Maintenant, ça va du plus grand au plus petit. 2, 1, 3. Ah, tout est mélangé. Et si tu réessayais? 1, 2, 3. Ça va du plus petit au plus grand. Très bien. Quel beau dessin! Et si tu le prenais pour l'afficher dans la maison de Peppa? On y va? Château de sable. D'abord, mets le sable dans le seau. Retourne ton seau, puis soulève-le. Tada! Et maintenant, tu peux le détruire. J'adore les châteaux de sable. Oui. 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 Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la branche bouge? Peut-être que l'arbre nous dit bonjour. Bonjour, monsieur arbre. Les arbres ne disent pas bonjour, Beta. Titine la tortue, qu'est-ce qu'elle fait dans l'arbre? Il faut qu'on la fasse redescendre. Docteur Hamster va s'inquiéter si elle n'est pas là. Oui, mais comment faire? C'est si haut! Allons chercher Madame Gazelle. Elle saura quoi faire. Madame Gazelle saura comment faire redescendre Titine la tortue de l'arbre. Va la chercher dans la classe. On va vite te faire redescendre.
Impossible. C'est trop haut pour moi. Peppa, et si toi et ton ami alliez chercher une échelle pour que je puisse grimper et sauver Titine? Il y a une échelle juste à l'extérieur de la halte garderie. Aide Peppa à la trouver pour que Madame Gazelle puisse faire redescendre Titine. Allons par là. La voilà. C'est l'échelle dont parlait Madame Gazelle. Vous l'avez trouvée? Bon travail. Oh! Te voilà, Titine. On va te redescendre, d'accord? Voilà, Titine. Fini la grimpette pour aujourd'hui. Hurrah! Je vais appeler Docteur Hamster pour lui dire que Titine va bien. Merci à tous. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, assurons-nous que Titine ne grimpe plus. Titine, elle a encore disparu. Oh, Titine. Bravo. Maintenant, Titine est en sécurité et tout le monde s'amuse. Continuons à regarder. Waouh! Ça a l'air très vieux! Dinosaure! Pas si vieux, Georges. Dinosaure? Allons par là! Ouh! C'est très joli! Je crois que je serai une super reine. Je resterai là toute la journée à manger toutes les glaces que je veux. On dirait que toi et Peppa faites partie de la royauté maintenant. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vos majestés? Des glaces! On veut des glaces, s'il vous plaît! Bien entendu, reine Peppa. Reine. Je suis sûr que tu ferais une reine fantastique, Peppa. Georges, c'est un vrai dinosaure. Il vivait il y a des années et des années. Dinosaure. Oh non! Il faut qu'on échappe au dinosaure, Georges!
Tu es là, Georges ? Dinosaure ! On dirait que Georges a trouvé sa salle préférée. Bienvenue, bienvenue! Vous êtes là pour me rejoindre dans mon voyage vers la Lune? Montez à bord du train-fusée! Monsieur Rabbit est le guide. Il sait beaucoup de choses sur l'univers. On va vraiment aller sur la Lune? Non, Peppa. On fait semblant. Bien sûr, Peppa. C'est juste une fausse Lune. Maintenant, tous les passagers, accrochez-vous! On va décoller! 3, 2, 1, décollage! Très bien! Est-ce que quelqu'un sait ce que sont ces choses qui pendent du plafond? Est-ce que c'est des planètes? Eh oui! Et est-ce que tu connais le nom des planètes? Non, pas vraiment. Oh, j'en connais une, la Terre! Très bien, Papa Pig! Voici la Terre! Il y a aussi Vénus, Mars, Neptune. C'est quoi ça? Ah! C'est un satellite. Les satellites volent autour de la Terre pour qu'on ait la télévision et Internet. Ah oui? Mais comment ils font? C'est magique. Et c'est la fin. Veuillez sortir de la fusée et continuer dans la pièce suivante où vous verrez la Lune. Bienvenue sur la Lune. La gravité est bien plus faible sur la Lune, alors on peut sauter plus haut. La gravité est moins importante sur la Lune, ce qui veut dire que tu te sentirais plus léger et que tu pourrais sauter plus haut. Essayez, attachez-vous et sautez. C'est une journée idéale pour admirer la belle vue depuis la montgolfière. Oui, s'il vous plaît. Je me demande si Mademoiselle Rabbit va nous emmener dans la montgolfière. Oh ! Un papillon ! Il est si joli ! Suivons-le ! Allons par là ! Oh ! Il y a des ordures partout. Tu pourrais aider Peppa à nettoyer la forêt? Oh non! Il y a des ordures par terre! On devrait les mettre dans la poubelle!
Bravo! Si tout le monde s'y met, c'est facile de garder la forêt propre. À qui appartiennent ces empreintes? On le découvrira si on les suit. C'est peut-être des insectes? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un oiseau? Waouh! Des canards! Est-ce que tu as deviné quel animal? Maman et Papa Pig et Georges sont venus faire un pique-nique en forêt. C'est une excellente journée pour un pique-nique en forêt. Allez, trouvons un joli coin pour s'asseoir et déjeuner. Et si on allait par là? Cet endroit semble idéal, non? Puis-je avoir le panier, Papa Pig? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il, Papa Pig? Tu es tout rouge. Je crois que j'ai oublié le panier dans la voiture. Oh non! Il faut qu'on aille le chercher alors. Et si vous retourniez à la voiture pour le chercher tous les deux? D'accord, maman. On sera vite de retour. Papa Pig a oublié le panier à pique-nique dans la voiture. Ils ont besoin de toi pour le ramener. Retournons à la voiture chercher le panier à pique-nique. Voilà le panier. Ça sent drôlement bon. Merci à vous deux. Asseyons-nous maintenant. Oups! On dirait que j'ai faim. Bien joué. Tu as ramené le panier à pique-nique. Et la famille de Peppa peut profiter d'un bon déjeuner dans la forêt. Ça, ça va ici. Ça, ça va là. Et... voilà! Ces sandwichs sont délicieux, Papa Pig. Oh oui, papa! Eh bien, merci. Et toi, tu les aimes? Qu'est-ce que c'était? Oh, des canards! Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez faim aussi? Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? On pourrait. Mais on dirait qu'il ne reste que le sandwich de papa. Oh. Papa, papa, il faut qu'on leur donne à manger. D'accord. Voilà les canards. J'ai le ventre bien. Tu en as de la chance. Oh, papa, ton ventre est toujours un peu plein. C'est l'endroit parfait pour camper. Ah, Peppa, je vois que toi et ton ami êtes déjà là. Salut, Peppa. Salut, Peppa. Salut, l'ami de Peppa. Bonjour, tout le monde. Les enfants. Maintenant que nous sommes là, il faut planter vos tentes. Et il faut quelqu'un pour ramasser du bois pour le feu. On s'en occupe, Madame Gazelle.
On va ramasser du bois. Madame Gazelle vous a demandé de ramasser du bois pour qu'elle puisse faire un feu. Suis Peppa et aide-la à ramasser suffisamment de bois. Du bois, du bois, du bois. Il nous faut plein de bois. Trouvé. Il me faut encore un peu de bois. Vous pourriez m'en apporter? Et votre tente pendant que je prépare le feu. Venez par ici, les enfants. Qui veut écouter une chanson? Moi! Moi! Très bien! We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingly, bongly, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingly, bongly, boo. Bong, bing, boo. Ah, vous voilà. Allez voir mon papy et ma mamie. Leur maison est un peu plus loin. Continuons par là. La forêt.
C'est une journée idéale pour admirer la belle vue depuis la montgolfière. Oui, s'il vous plaît. Peut-être qu'on pourrait prendre le télésiège. Des skis pour descendre la montagne. Oh, un bonhomme de neige! J'adore les bonhommes de neige. On devrait en faire un. Peppa veut faire un bonhomme de neige. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la neige. Là-bas. C'était rigolo. On a réussi. Hourra! Cela devrait vous aller. Attention, ne descendez pas la pente trop vite. Amusez-vous bien. Je suis juste derrière toi. Jetons un coup d'œil. Amusez-vous bien. Essayez de ne rentrer dans personne sur la glace.
C'est une journée idéale pour admirer la belle vue depuis la montgolfière. Oui, s'il vous plaît. La forêt. Maison de Peppa. Rentrez. C'est mon papa. Et si on allait lui dire bonjour ? Mamie Pig m'a dit que tu l'avais aidée à retrouver ses poules. Bravo ! Qu'est-ce qu'il y a, Georges ? Pourquoi tu pleures ? Dinosaure. Qu'est-ce qu'il y a, Georges ? Tu as perdu Monsieur Dinosaure ? Ne t'en fais pas. Il ne peut pas être loin. Dehors, peut-être ? Georges et Peppa ont besoin de toi pour retrouver Monsieur Dinosaure. Il doit être par ici. On va le trouver. On est doués pour ça. Allons par là. Oh. Tu peux rallumer pour que je puisse lire ? Allons par là ! Suis-moi ! On fait quoi maintenant ? Restez planté là. Allons jouer. On y va.
C'est super, Peppa. C'est nul de rester planté là. Tu fais quoi, Georges? Dinosaure. Mamie Pig m'a dit que tu l'avais aidé à retrouver ses poules. Bravo! Jouons avec ça! Merci. Je suis sûre que tu peux t'amuser avec autre chose. Et si on allait voir mon papy et ma mamie? Leur maison est un peu plus loin. Continuons par là. Maison de mamie et papy. Voici la maison de ma mamie et de mon papy. Papy est toujours dans le jardin. Et ma mamie prend soin des poules. Voici la maison de mamie et papy Pig. Peppa s'amuse toujours beaucoup ici. Enfants, vous vous amusez bien? Oui, papy. On s'amuse comme des... Dis-moi, vous aimez les avions miniatures? Oui, oui. Fantastique! Alors, venez avec moi. D'accord. Où est-ce qu'on va, papy? Tu verras. Encore un petit instant. Nous y voilà! Attendez ici une seconde. Bon sang! Mais où ai-je bien pu le mettre? Ah ah! Le voilà! Wouh! C'est quoi, papy? C'est un avion miniature. Regarde! Waouh! Papy Pig a construit un avion miniature. Et si tu essayais de faire un looping? Et si on faisait le tour de la maison? Oh! L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier! Merci, Peppa. Peppa et Papy adorent les avions miniatures. Tout le monde adore les avions miniatures. Salut les enfants! Vous êtes venus voir mes poules? Elles vont bien, Mamie Pig? Elles vont plus que bien, Peppa. Puisque toi et ton ami les avez ramenées au poulailler, leurs œufs ont éclos et maintenant nous avons des poussins! Des poussins!
Oui. Vous voulez les voir? Oui, mamie, s'il te plaît. Montre-nous les poussins. Vous pouvez aller les voir vous-même. Ils dorment dans la petite maison. Allez-y. Ah, vous voilà. Peppa, vous avez été très occupés tous les deux, non? On dit que vous avez aidé plein de gens en ville. Oui, mon ami est très serviable. Je vois. Et toi aussi, Peppa. Et comme vous avez été si gentil, on a décidé de vous emmener à Patata Park. J'adore Patata Park! Patata Park, nous voilà. Papa Pig, le Patata Space ne t'a-t-il pas rendu malade la dernière fois? Si, mais ça n'arrivera pas cette fois. Papa Pig, tu ne changeras jamais. Patata Park est un endroit magique plein de choses passionnantes, où Monsieur Patate t'apprendra l'importance des légumes. Va à la voiture quand tu voudras et nous partirons. Patata Park, un endroit pour explorer, s'amuser et en apprendre plus sur l'importance des légumes. Ah, on est enfin arrivé. C'est plus grand que dans mon souvenir. Bonjour et bienvenue à Patata Park. Vous êtes venu vous amuser? Oui, oui. Vous êtes venu explorer? Oui, oui. Vous êtes venu pour en apprendre plus sur l'importance de manger des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour? Oui. Fantastique! Alors, vous allez bien vous amuser. N'oubliez pas de visiter tout le parc. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à voir. Très bien. Allez-y, les enfants. Amusez-vous bien. Je crois que je vais passer mon tour. D'accord. Prêt ? C'est parti ! Je vais vraiment passer le second tour. Maintenant, t'es une tomate. Waouh, une citrouille. Oh, t'es une carotte. Eh bien, Peppa,
Ça fait un moment que ton ami est avec nous. Oui, c'est vrai. Et vous êtes allés dans plein d'endroits ensemble. Vous êtes venus chez nous. Et vous êtes venus chez nous. On s'est bien amusé, non? Bien sûr. On est même allé à la plage ensemble. On a trouvé plein de choses dans les points d'eau. Point d'eau. Et à la forêt. Vous avez aidé la pauvre Titine la tortue à la halte garderie. Hourra! Et on est allé jusqu'à la montagne blanche. Je vous y ai emmené, et au musée. Vous avez bien aimé le voyage sur la lune? Moi, j'adore. Ça fait un moment que je te vois partout en ville. C'est bien de voir des nouvelles têtes. Oh oh! On a aussi eu une super vue sur toute la ville depuis le château aux quatre vents. Quelle belle vue c'était! Et je suis ravie de vous avoir rencontré maintenant que vous êtes venu à Patata Park. Eh bien, je me suis bien amusée grâce à toi. Tu es mon ami pour la vie. Ami pour la vie! Ami pour la vie!